à toi. Aujourd'hui, la toute première capsule d'une série que j'ai nommée Instant Présent. Ce seront des capsules de 5 minutes. Bon, la première va durer peut-être 2 ou 3 minutes de plus, où nous allons aborder ensemble, je vais t'inspirer à des sujets qui vont te permettre de te retrouver, d'aller à ta rencontre. Évidemment, si tu as des sujets que tu aimerais que je traite, ce sera avec grand plaisir. N'hésite pas à me les faire savoir sur mon site internet www.celinebecoaching.fr. Tu verras, il y a une rubrique où il y a marqué contact. N'hésite pas à m'envoyer un message pour que tu puisses me donner peut-être un sujet qui t'intéresse et que nous pourrons traiter sur ces capsules. Avant de commencer, la première sur le prendre soin de soi, le PSS comme je dis, je t'invite à liker, à t'abonner à ma chaîne Facebook, à partager si ça t'inspire cette capsule pour permettre à d'autres d'inspirer. Et pourquoi aussi? Parce que quand tu likes, quand tu partages, quand tu commentes, les réseaux sociaux mettent en avant notre travail, nos inspirations pour inspirer d'autres personnes. Alors n'hésite pas, abonne-toi, like, partage pour pouvoir inspirer encore plus de monde et impacter le monde à être au lieu de paraître et à prendre soin de soi. Alors aujourd'hui, le prendre soin de soi, qu'est-ce que c'est pour toi ? Le prendre soin de soi, c'est revenir à soi, c'est s'écouter, c'est écouter les signes aussi de la vie qui viennent nous dire des fois « Oh, arrête-toi, oh, prends soin de toi ». Alors, tu vas me dire « Comment on prend soin de moi ?» Moi, je prends soin de moi quand je vais chez le coiffeur, quand je vais faire du sport. Ok, ça en fait partie, mais il n'y a pas que ça. Il y a aussi à se retrouver, il y a aussi s'écouter, ça je le dirai jamais assez. Et accepter aussi quels sont tes côtés lumière, tes côtés moins lumineux, elles font partie de toi. Donne-toi de l'amour, dis-toi que tu es une personne exceptionnelle, dis-toi que tu es une personne qui est belle, qui a contribué pour elle et pour le monde. Très souvent, j'entends, moi, mes priorités sont mes enfants, ma famille. Non, ta priorité, c'est toi, parce que du moment que tu vas te remplir d'amour, que tu vas t'aimer, que tu vas t'honorer, tu vas pouvoir après l'offrir aux autres de façon pure, dans l'amour. Et là, tu vas pouvoir t'ouvrir à toi et aux autres. Et c'est vachement important. Alors, je parle pour nous, les femmes, mais il y a aussi les hommes. Souvent, les femmes, on a tendance à s'oublier et on se dit que notre priorité, c'est l'extérieur, nos enfants, notre job, notre compagnon. Idem pour les messieurs. Mais notre priorité, c'est nous. Et ne pas confondre le bien-être et le plaisir. Le plaisir, on va être dans quelque chose d'éphémère et qui va nous demander d'aller chercher encore plus une dose de plaisir. Donc, aller chercher à l'extérieur quelque chose pour nous combler notre intérieur. Et l'idée, c'est que prendre soin de soi, c'est se combler soi-même de ce qu'on est, c'est se combler d'amour, c'est se combler de s'écouter si on a envie de faire des choses ou pas, c'est écouter notre intuition, notre petite voix intérieure, c'est écouter notre être tout entier. Et pendant ce bel été, puisque j'enregistre cette vidéo juste avant le 14 juillet, je te propose ici et maintenant, si tu es d'accord, à partir d'aujourd'hui, de prendre soin de toi et de réfléchir où est ta place, qui tu es et qu'est-ce que tu veux accomplir pour toi et pour le monde. Je te fais plein de bisous
plein de bisous, je t'envoie plein d'amour, je t'envoie plein de belles énergies, prends soin de toi. Je voulais te présenter avant la fin de cette petite capsule, cette pierre de lune qui m'a été offerte hier par une amie très chère, Laetitia Rouquayrol. Cette pierre de lune, c'est la pierre entre autres de la féminité, de la reconnexion à soi. Et moi, mon intention à travers ces capsules, c'est qu'au travers des sujets que nous aurons traités, c'est vraiment de te reconnecter à toi, de te reconnecter à ton être intérieur pour pouvoir après diffuser à l'extérieur. Mais n'oublie pas, tant que notre jauge d'amour, notre jauge de bien-être intérieur est vide, ce qu'on va donner à l'extérieur, c'est juste inconsciemment attendre de l'autre qui, contre une aide, contre un soutien, va nous soutenir. Mais quelle est la personne qui nous aime, qui doit s'aimer en premier? Quelle est la personne qui doit se donner de l'amour? C'est toi. Donc, prends soin de toi, écoute-toi, note tout ce que tu as envie pour toi. Pas après pas, apprends à t'écouter, apprends à t'honorer, apprends à prendre soin de toi. À très très vite. À bientôt.